Bonjour, bonsoir YouTube, Spider-Man, Miles Morales. La suite est probablement la fin. On va voir où nous en sommes. On va continuer. S'en était arrêté sur la dernière VOD où c'était le bordel. Oh là là, oh là. C'est moi ou j'ai l'impression que le jeu il a accéléré là? Non? Ok. Ah, les belles simos de salut YouTube. Elle marche là sur cette scène? J'ai l'impression qu'elle fonctionne les emotes sur cette scène. C'est moi ou... Attends. Ah si. Ah si si, ça fonctionne. Ah si, ça fonctionne. Très bien. Le au revoir de Valérie Giscard d'Estaing. Comment ça? Ah si, j'ai eu peur. Ah voilà. Ah, fashion time. Ah, c'est le moment d'un petit fashion time là. Ah. Ah YouTube, excuse-nous, c'est fashion time. C'est la dernière mission, il est temps de choisir une tenue. Il est temps de choisir une tenue. Il est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais tranché vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'on en pense? La tenue du rôdeur. Ouais, c'est la tenue de tonton, mais tonton, c'est un peu un enfoiré quand même. Un semi-enfoiré. C'est évidemment la tenue fierté du quartier. Black Lives Matter, on se rappelle. Hein. Tenue d'hiver. Oh, Kawaii Disney. Cyberpunk. Cyberpunk, Daft Punk, pardon. Ça, c'est plus cyber... Non. La tenue classique au classique. New Generation, non merci. Ah, la Miles Morales 2099. Non, pas la fin du monde. La tenue dessin animé, elle est rigolote, mais je bypass. Non, la version lycée, c'est non. Ah, capuche écarlate. Tenue strike ou habit tough. Tenue track. Non. Cous humain, c'est non. Tenue grande responsabilité, on la connaît celle-là. La tenue de sport, ok. Alors là, mes choix iront vers la Miles Morales 2099 ou la capuche écarlate. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, vous savez quoi? Le chat va voter. A tout de suite, YouTube. Héros YouTube! Le chat a fait son choix, ce sera donc capuche écarlate. Au milieu d'un monde en noir et blanc, nous allons combattre en rouge et noir. Dédicace à Jeanne Masse. Eh, faites coucou à mon cul aussi, ouais. Hop. Jeanne Masse, si tu nous regardes, des bisous. Exactement. Dédicace, hommage et respect. Ah mais c'était un d'accord, ah vous êtes des petits malins en fait. Vous avez tenté de... C'était un spoil déguisant en backseat ou l'inverse. Parce que vous saviez qu'il y avait une tempête de neige ici, qu'on risquait de me perdre dans le noir. Donc vous avez choisi la tenue la plus voyante. Malinx. On a un chat très affûté. Qui a noté que ça faisait déjà un petit moment qu'on entendait parler de cette tempête de neige et qui donc a agi en conséquence. Tu me reçois ? Malin les gars, malin. Ah et vous saviez que grâce à la tempête de neige nous allions avoir un contraste de blanc également sur la tenue. Malin ! En position dans le parc, fais volonté. Allô? Ah d'accord. Chez. Pas la poulette et les salons qui ont l'air ok. Mais je dois repousser les affrontements. Là. Oh les, oh là. On est avec Gloria. On est avec Rav sur ce qui se passe. C'est la crise qui commence. Ça prendra pas la même ampleur. Je ne sais pas faire. Laissez à la prise le temps de sécuriser la rue. Ouais, faut y aller maintenant les gars. Hein. On se réveille. Hein. On donne tout. Hein. Lâche ça. Mange ça.
Potter. Viens au tapis, sur la droite qui rapide. Je vais faire. Détachez-le. Non mais il est derrière toi, du con. Spider-Man vivant si possible. Ouais, capture Spider-Man vivant, ouais. Ah, toi, fallait pas me chercher. Éclate-toi bien. Ça va? T'en veux d'autres? Non, visiblement, lui, il a eu sa dose. Putain, mais c'est un Delbor. C'est un Delbor. Non létal! On l'étale toujours. On l'étale toujours. Là. C'est une vanne. Cimer énorme. Et donc ? Arrêtez la guerre à Harlem. Yes. Miles, tu m'entends ou pas ? On est à Trois-des-Gars. Funky, tu me diriges vers l'est, c'est tout ! Caché à la Théos Trois-des-Gars. J'ai plus de temps plus violent dehors. Faut que tu rattrapes. Ils sont à Théos Trois-des-Gars. Je suis pas loin. Il faut que je m'occupe du Robson et de Underground. Les rues. Oh non, c'est notre immeuble. Je ne sais plus pas qui crame. Je me perds dans le bizarre. Je vais faire une section de la fusillade. Quoi ce bordel, putain? Secours! Ça a l'air que le cœur des affrontements ici. Je dois y mettre un clair. Toi, il faut mettre du vieux cul. Chien, tose, et tout le merdier qui va avec. Cadeau. Tiens, nique, vas-y, on va avec l'hologramme, vas-y, nique, boulosse-le. Attends. Là, et je veux ça, moi. Voilà. Rien de faire du tout, hein. Tiens. Plaf. Soirée crêpe. Alors.
Nameo. Quoi ce bordel? Ganki? Ganki, vous êtes où? Vous pouvez vous enfuir? C'est qui ça? Y'a quelqu'un? Hé! Hé! Écoutez-moi! Il faut qu'on sorte de là! Mais je pourrais pas porter tout le monde! Oh! Non! Elle a déjà commencé. On les fera évacuer. En rouge et noir. Je reviendrai. I'll be back. Ok, tout le monde. Essayez toutes les portes. On ne laisse personne derrière. Non! Super. Tu sais pas ce que tu fais. Ils méritent. Il va leur arriver. Le réacteur, Krieger l'a modifié. Tu vas pas seulement détruire Roxxon Plaza, tu vas faire disparaître tout Harlem. J'en ai plus qu'assez d'entendre tes mensonges. Ah ouais, d'accord, sympa le... Oui, d'accord, hein. C'est trop tard. Ish. Je peux pas te laisser faire ça. Je peux pas te laisser m'arrêter. Baston! Tu vois pas ce que le réacteur est en train de faire? Il détruit la plaza! Il rase le monument de Krieger! Si la plaza s'effondre, tout Harlem s'effondre! Qui t'a dit ça? Krieger! J'ai fait des projections! Pourquoi tu peux pas juste admettre? Et va peut-être. Je veux pas me battre. On discutera. Est-ce que tu crois qu'elle a vraiment envie de discuter là? Désactiver le réacteur. Bon. Patateux. C'était la seule personne que j'aurais voulu avoir de mon côté. Je suis de ton côté. On peut faire tomber Roxxon avec ce qu'on sait sur le Newform. Ça marchera pas. Tout le monde s'en fiche. Oh la vache. Pas dû répondre, hein. Esquive! On verra ce qui se passe! Je vais pas me laisser avoir par qui frappe! Je peux pas en arriver là, Finn! Oula! D'accord, ah, sympa la caméra! Ah, ça continue de jouer en fait! D'accord! J'adore la caméra! Et vous? Arrête de me tuer! Son épée est bloquée! Bioélectricité!
Ah, très utile la bioélectricité, ouais. Comment tu bouges aussi rapidement? Reste pas là! Va-t'en! Je t'en prie, je veux pas en arriver là! On irait pas, Finn! Tu peux m'aider à arrêter ça! Tu peux me tuer! Choisis! Oh, connasse. Elle est bloquée. Cauchemar. Nouveau décor. Oh, un règlement de compte, parfait. Je passais juste vous dire au cas où vous vous inquiéteriez. Il ne nous arrivera rien si ce bâtiment explose. En fait, tout Harlem pourrait même s'écrouler. Est-ce que vous avez la moindre idée du genre d'assurance? Je ne parle même pas de l'éventualité d'une attaque terroriste. Oubliez Roxon, Vanessa. Bientôt, ce sera Roxon Pill. Allez, à plus tard, les autres. Ah oui, d'accord, bien. Non. Je dois l'arrêter. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Aide-moi à l'arrêter! T'es déjà battu! Alors commencez! C'est quoi ce bordel? Ah d'accord, très bien. Tu veux la vérité? Eh ben je vais te la dire! Nick, pétasse-pleurait ce que t'es devenu! La ferme! Sympa, ce serait dommage que j'y vois quelque chose. Elle est où la caméra? Téméric aussi! Comment tu peux défendre ton meurtrier? Je ne défends pas, mais je refuse de sacrifier Harlem pour arrêter Krieger. C'est pas ce que je suis en train de faire. Si, même si tu le vois pas. Arrête de bouger. T'en prie, Jim. Je dis la vérité. Ça te ressemble pas? J'aurais pas dû te mentir pour intégrer l'Underground. Tu pouvais revenir en arrière. Arrête ça, Max. Arrête. Non, toi d'abord. Toi d'abord. T'as entendu, Krieger? Les seules personnes que tu plaises, c'est les habitants de Harlem. Ça te regarde. Oh là là, putain, j'en prends plein la gueule. Ah, bah, je suis crevé. Oh, elle décode zéro, hein. Ah, cette phase, elle est vraiment... ouf. Je passais juste vous dire, au cas où vous vous inquiéteriez, il ne nous arrivera rien si ce bâtiment explose. En fait... Putain, c'est des merdes qu'elle laisse au sol, quoi. Est-ce que vous avez la moindre idée du genre d'assurance? Je vous parle même pas de l'éventualité d'une attaque terroriste. Oubliez Roxon. Bientôt, ce sera Roxon Pill. Allez, à plus tard. Non. Je dois l'arrêter. Pas comme ça. Je sais que la fin de promesse arrive. J'aurais pas voulu ça! Tu m'as perdu tes poumons! Tu me fatigues pas! Plus tu fabriques des armes, plus je devrais en détruire! T'as senti ça? On doit arrêter le réacteur! Tu veux la vérité? Eh ben je vais te la dire! Vic, détache le reste qui t'es devenu! La ferme! D'accord? On passe aux choses sérieuses! Téméric aussi! Comment tu peux défendre son meurtrier? C'est
Je t'ai laissé plein d'occasions de partir. M'oblige pas à te tuer. Tu ne peux pas gagner. Pourquoi tu continues ? Parce que... je suis... Spider-Man. Là ! Again. Wow ! Ah ouais, d'accord. Des hologrammes ? Sérieux ? Tu te fiches de moi ? Sympa ! Ah sympa ! Ah non mais vraiment très sympa ! Ah non mais c'est bien, c'est bien. Non mais je suis pas du tout en train de me battre contre un bug, hein. Non mais c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ah non mais je suis pas du tout en train de me battre contre un bug. Je suis pas du tout en dehors de la map. C'est une blague ? What ? Mais il y a un moment où ça se termine là. Oh. Mais je te sais mort. Mais t'es sérieux? Oh là putain, mais la mort parce que mort à cause d'un bug. Je sais ce que tu ressens. C'est ça qui te pousse à agir. Formidable. Je peux pas savoir. Si, mais tu peux pas laisser le chagrin gâcher ta vie. Je dois les éviter. Arrête de bouger. Si tu comprends. T'as senti ça? On doit arrêter le réacteur. C'est terminé, Mike. Ouais, je sais. D'accord. D'accord, ça aurait été dommage d'utiliser mes techniques. T'as jamais commencé. J'irai nulle part. Et toi non plus. Alors je mourrai en essayant. Ah, en tout cas, c'est... Alors, et tes fameuses projections, on peut en parler ou... C'est pas normal du tout. Je peux l'arrêter. Ah.
Désolé. Ça va aller. Oui, c'est vrai qu'un le traditionnel « je suis désolé », ça règle tout. Le plaisir. J'ai plus de temps. Juste un peu plus loin. Oula. Ouf. Allez, vite. Ça va exploser. Oui, d'accord, ah on en est là. Non, Finn, regarde pas. Ah. Miles. Oh le. Ah, commence un petit peu arriver en limite de surcharge, Pépère, non? Ah bah oui, sois pas conne. Dis-leur de s'éloigner. Je vais pas tenir très longtemps. Qu'est-ce que tu... Ah ouais, quand même. Je peux pas. Tout va bien. Je peux pas. C'est fini, laisse-toi aller. Allez, vas-y. Ah ouais. Sauf une qui a été vaporisée. Hein. Ah, ça a remis instantanément la capuche. Parfait.
Hé, hey, reste pas ici, petit. On va s'occuper d'eux. Vous avez vu son visage. Bon travail, Spider-Man. Merci. De qui s'agit-il? Lui, là. C'est notre Spider-Man. Sacrifice ultime. Oh, du lourd. C'est clairement des images truquées, c'est des deepfakes. Vous m'entendez? Ah, des deepfakes. Ouais, ouais, on sait qui vous êtes. Vous m'entendez? Non, vous ne rêvez pas. Simon Krieger est derrière les barreaux. Aaron Davis, alias le rôdeur, s'est retourné contre lui et Roxxone. Davis ira en prison, même si sa peine pourrait être réduite. Je crois qu'il y a une leçon à retenir de tout ce qui est arrivé à Harlem. Ensemble, on est plus forts. Et avoir un Spider-Man rien qu'à nous dans le quartier, c'est pas mal. T'as l'air en forme, Ellie. Ah, je crois que la zig qui passe, c'est pas celle-là qui est DMCA d'ailleurs hein, je crois qu'elle est DMCA celle-là, il me semble. Il y a hein, voilà le allô. Ah, bon, on va essayer de meubler un petit peu du mieux que l'on peut avec la musique DMCA au secours. Oui, voilà, ouais, voilà, on va taper des petits pas de tango au milieu avec une zig qu'on n'entendra jamais à cause du bot YouTube de merde. Donc on va essayer de au secours. Allô. Non. Non, pas DMCA. Non, ça voilà, ça ce site un filtre anti DMCA. Allô. Ah, ça va pas tenir longtemps ces histoires. Je sais pas si le docking est assez fort pour que ça basque la zic. À l'aide. Attends, je vais attraper la carte Elgato. J'attrape la carte Elgato. Hop là. Il n'y a plus de son. Incroyable. Alors là. Non. Ah, je sais plus si c'était cette zic là. Je sais qu'il y en a eu back to back avec le... Oh, oh bah. Ok. Waouh. J'arrive pas à me faire à ce costume. Il est trop cool. Faut que je m'affirme. Ouais, c'est vrai. Pete, est-ce que ça devient plus facile? Ouais, en partie. Mais il y a des choses qui restent difficiles. Roxxone a fait ça ici parce que pour eux, on voit rien. Moi, Rick, Finn, tout Harlem. Bien vu la capuche amovible sur le costume pour la cinématique. Notre boulot, c'est tout faire pour qu'ils ne s'en tirent pas comme ça. On va rajouter ça au Spider Serment. On y va? On y va. Oh, énorme. Oh, ça par contre, ça m'a l'air d'être du bon DMC à l'ancienne, bien comme il faut, ça. Hop, on va me couper ça vite, teuf, là. Voilà. Ça a l'air d'être du bon DMC, donc on va se détendre. Super fin, je kiffe. Ouais, pas mal du tout. Et je pensais pas le finir aujourd'hui, clairement. Bon, au moins, ce qui est bien, c'est que comme ça nous laisse une marge, étant donné qu'on a la NG+ à faire. Mais c'est que ça va aller vite, en fait, parce que si on se concentre uniquement sur l'histoire, la NG+, ça va se torcher rapidement. Hein. Bon, demain matin, je peux pas streamer. Ce soir et demain soir, on est sur autre chose que Spider-Man, mais... peut-être que jeudi matin, ce sera peut-être un peu short pour faire tout le jeu en entier. Hein. L'histoire, hein. Ce sera peut-être un peu beaucoup, quand même. Hein. Là, de toute façon, il est un peu tard pour commencer la NG+, maintenant, mais... Ou alors à moins que j'en mette demain soir au programme. À moins que j'en mette pour mercredi soir. Ouais. NG+, si tu rushes en une matinée, c'est réglé. Ah, j'aime autant partir avec une marche, tu vois, on sait jamais. On sait jamais. On est encore sur le DMCA, là? Ouais, ça m'a l'air. Ouais. Bon. Attends avant quoi? Avant quoi? Quoi? Avant le DMC? Non, ça va pas attendre longtemps.
Assassin's Creed 2, l'histoire est courte. On la fera pas avant vendredi. Hein. Spoiler, vu le planning de la semaine, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de faire Assassin's Creed 2 d'ici à vendredi. Hein. C'est mal barré. Hein. Très très mal barré. Hein. Spider-Man 2 en coop. Spider-Man 2. Celui-là, on peut y jouer en coop. Du coup, ce serait cool. C'est pas mal. En 4 ans, normalement, c'est réglé le NG+, si tu rushes l'histoire. Ouais, mais je m'attends à ce que la difficulté soit un peu plus élevée sans le NG+, du coup. Ah, le prochain. Ah, le Porchin. Le Porchin, c'est bien connu. Le Porchin. Et vendredi, par contre, Mass Effect. Voilà. Bah, du coup, c'est bien parce que là, on se garantit Mass Effect pour vendredi, quoi. Le voice cast. Oui, Donald Renew. Pour la VF. Bien sûr. La VF de Peter. Toujours, visiblement. Mais on peut passer là ou pas du tout? Non, faut attendre. Il doit y avoir certainement des post-crédits. Vendredi, Mass Effect. My bad, j'ai cru que samedi, je suis bête. Ah, mais même si ça avait été samedi, ça aurait pas été possible. Demain, regarde, demain matin, je peux pas streamer. Si on avait dû caler Assassin's Creed au programme, j'aurais pu le mettre que jeudi et vendredi matin, c'est-à-dire deux matinées de 4 heures. Et vu que c'est un univers que je connais pas, ça va être un univers que je vais avoir du mal à speedrunner, quoi. Ah, tous les écrivains pendant des années. Ah, Chadwick Boseman, Wakanda Forever. Il était déjà décédé à la sortie du jeu ? Black Panther. Les habitants de Harlem ressentent encore les effets du soulèvement provoqué par un groupe s'appelant l'Underground. Parallèlement aux nombreux démêlés judiciaires de la corporation Roxxon, la nouvelle conseillère municipale Rio Morales s'est adressée hier dans les médias pour réclamer des subventions supplémentaires afin d'aider au bon fonctionnement. Mais Osborne ? Stable, système circulatoire fonctionnel, activité cérébrale normale. Il serait temps de le faire sortir. Ah si, sérieusement, avec son doubleur VF. Mais sa maladie pourrait l'ordre. Mais nous sous-estimons peut-être le danger potentiel. J'ai dit, libérez-le maintenant. Oh merde. Eh mais le merdier noir qu'il avait sur lui là, c'est Venom ? C'était Venom, ça ? Oh ? Chelou. Ça aurait été Venom, ça. 9 chances sur 10, oui. Ah ah ! J'ai pas fait gaffe que c'était le Dr. Connors en faisant le jeu. Oui, Kurt Connors, oui, de tout bible. Oui. La NG+, qui sent bon, le Venom ou le Bouffon Vert ? La NG+, NG+, normalement, non. Le NG+, c'est je refais le jeu comme on vient de le faire là, sauf que je redémarre avec toutes mes compétences et tout ce que j'ai déjà débloqué, quoi. À la limite, je peux même en profiter pour remonter un peu le niveau de difficulté. C'est un peu à ça que sert la NG+, mais normalement, une NG+, ne te change pas fondamentalement le jeu. Tu refais le jeu, c'est New Game+. C'est New Game, c'est tu redémarres à zéro, mais avec toutes tes compétences, tout ce que tu as débloqué au fur et à mesure de ta progression sur la première fois que tu as fait le jeu. Mais normalement, une NG+, c'est pas censé te refaire intégralement le jeu, quoi. À moins qu'il y ait un mode spécifique qui se déclenche avec la NG+, je sais pas. Mais sinon, si c'est le cas, c'est des génies. Mais normalement, une NG+, telle que tout le monde l'entend, telle que 99,9% du monde entier l'entend, c'est... Tu redémarres ton jeu à zéro, mais en conservant ton perso tel que tu l'avais en endgame de ta première partie. Est-ce qu'on peut passer tout ça, là ? Ah oui, on peut... Allez, on se donne, on y va. On se donne. En plus, c'est avec la NG+. Oui, voilà, c'est le jeu classique, voilà, normal, oui. Une NG+, quoi. Une vraie NG+. Eh ben, c'est un vrai générique de DC Comics. Hein. De Marvel, pardon. C'est un vrai générique de film de super-héros. Hein. Ça dure 8 minutes.
Et si c'est pas... Ah, on peut ralentir. Bla 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 bla. Bon, vous savez quoi, j'ai encore du café, moi. Bon, c'est le YouTube. Pendant qu'on est là, qu'est-ce que vous en avez pensé lors de Miles Morales? Sachant qu'on avait joué au premier Spider-Man sur PS4, enfin l'épisode précédent qui était déjà extraordinaire. Miles Morales ici, petite pépite, j'en attendais pas moins. Et en plus sur une PS5 qui vraiment sublime le jeu, sublime le gameplay, sublime tout, vraiment dingue. Très très bon. Hein. Bon par contre, bon voilà, rip, rip Jacqueline, hein, rip Finn, moche, moche. Merci Laurent. Ouais, c'était un peu mon attention, Marvel Games. Mais vraiment, et à un moment de... Ah ! Ah ! Toujours mon costume. Vite. C'est pareil. Merde, je crois que c'était un trophée. Et la plot twist. Félicitations, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais rejouer des missions déjà accomplies avec rejouer à partir du menu pause, ou faire des activités ASDQ avec l'appli ASDQ. Vous pouvez également modifier l'heure de la journée à partir du menu des options. Vous pouvez recommencer en difficulté ultime pour plus de challenge, ou commencer une nouvelle partie plus en gardant vos gadgets et vos compétences pour en débloquer encore plus. Et bien effectivement, nous allons tabler sur cette seconde, enfin sur cette dernière option. Un point de compétence. D'accord. Mais du coup, attends, comment ça un point de compétence? Mais le problème, hein. Moi je veux bien. Ah mais c'est que je continue de gagner des points de compétence malgré tout, hein? Ouais parce que là du coup, paf! Et paf! Cocon explosif fait partie des techniques, d'accord. On a tout débloqué, ça c'est du NG+, à fond les ballons. Et du coup, est-ce qu'il l'a posé le petit coffret là? Activité disponible? Nouvelle mission annexe débloquée? What? Il se passe des choses? L'idole des chats. Ah, la fameuse idole des chats de Seymour. Ah la voilà. La fameuse mission. Le costume de chat. Le costume de chat. Où est-ce qu'il l'a posé, le petit cube, là? On peut le voir, non? Non, c'était full scénar. C'était full scripted. Ah, c'était scripted. Et les voilà les deux missions, regarde les deux missions annexes qu'il me manquait sur Harlem pour pouvoir avoir le 100% du quartier. L'idole des chats et Avenue de la mémoire. Nice! Faut finir avec le costume de petit chat pour YouTube. Ah mais YouTube, on leur a gardé l'histoire principale. YouTube, ça fait déjà 45 minutes de VOD. Et après, moi je prends 8 ans à uploader les VOD parce que j'ai une connexion de merde. Mais YouTube, si vous voulez voir tous ces moments-là, il faut venir côté Twitch. C'est là que ça se passe. Il y en a de plus en plus du côté de YouTube qui viennent nous rejoindre. Nous, en tout cas, on espère que vous avez évidemment kiffé un maximum le Let's Play. La suite, le prochain Let's Play, qu'est-ce que ce sera pour YouTube d'ailleurs? Je sais pas. Parce que Mass Effect, sincèrement, je ne pense pas. Le Mass Effect Remastered qui arrive vendredi, je pense sincèrement pas le faire en VOD YouTube. J'ai le temps d'y réfléchir. J'ai le temps, on verra bien comment ça se goupille, mais je ne pense pas, le faire en VOD. Tout à l'heure, on parlait d'Assassin's Creed 2. Peut-être que ce sera le prochain Let's Play pour YouTube. Je ne sais pas. Nous verrons cela. En tout cas, YouTube, si vous avez kiffé, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas. Champ commentaire sous la VOD, le petit pouce bleu, l'abonnement, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait de votre côté. Et on vous attend, évidemment, à bras grands ouverts côté Twitch. En attendant, des bisous à tous et à très vite, YouTube. Au revoir.